Pasteur Moïse Mbie, maison de production au Bafoutier, combien pour amener ta concert à Stade des Martyrs? Nyon Sowana, Tozo et Bango, na émission Oyo. C'est vrai que Nazan, ma proposition est belle. Et belle, il y a pour un Stade des Martyrs. C'est vrai que tout le temps, les gens m'écrivent ça, je vois ça. Et il faut bien qu'il y ait un chrétien aussi qui va au Stade des Martyrs. Voilà, ça c'est le parole de l'homme de Dieu, Pasteur Moïse Mbie. Après 7 ans, depuis les concerts du Char Club, Pasteur Moïse Mbie organise encore un autre show, un grand show, cette fois-ci devant plus de 80 000 personnes au Stade des Martyrs de Kinshasa. Parmi tous les artistes au Babeti Stade des Martyrs, Pasteur Moïse Mbie Akozala, 11e artiste à Kobeta Stade des Martyrs. Après, Kinkester Eminea, Jibe Mpiana, Weranson, Kofi Olomide, Papa Wemba, Debe Chanda, Fali Poupa, Héritier Wata, Ferregola et Félix Oisekwa. 10 déjà, et puis le 11e artiste à Kobeta Stade des Martyrs et Kozala, Pasteur Moïse Mbie. Tokope Sabino monta combien au bape si Pasteur Moïse Mbie na maison de production Oyo pour na abeta concert à Stade des Martyrs. Restez là, moutoua, bougez te parce que tozo ko beta biloko awa. Moïse Mbie na ba musicien chrétien à Congo à cause à la moto et liboso, artiste et liboso, ya ko beta Stade des Martyrs. Mesdames et messieurs, bienvenue ici dans cette émission Parlons Vrai. J'ai dit un très grand merci à tous les abonnés de CNR Télévision. J'ai dit un très grand merci à l'apôtre Julia Kangoni depuis Brésil. Un très grand merci à tous les enfants des Folies Jouka, Fondation Lumière d'Espoir. Julia Kangoni depuis partout ici en RDC, j'ai dit un très grand merci. À l'apôtre Simo Kivoloka depuis l'Allemagne, j'ai dit un très grand merci aussi au pasteur Aigle Royal, Guy Aigle Royal depuis la Suisse. J'ai dit un très grand merci na bandeko nyonso oyo boza kolanda biso depuis partout. Voilà, nous sommes très contents de vous avoir nombreux, connectés devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, en train de nous suivre. Maintenant, pour parler vrai, parce qu'une émission au Tolobakan de Sembo, Tolobakan de Bosolo, voilà pourquoi cette émission est intitulée Parlons Vrai. 7 ans passés, après son concert au Shark Club de Kinshasa, aujourd'hui, l'homme de Dieu, Pasteur Moïse Mbie nous annonce un grand show, un grand concert au Stade des Martyrs de Kinshasa. C'était les 12 mai 2017. Pasteur Moïse Mbie organisa qui concert moko ya monene mingi. Oyo azala ki accompagné na bande ko na biso ya Pigma. Concert ezala ki na chaque club. Yibi impact na idéologie nango le lenge concert on le kaki le lenge spectacle les alaki le lenge l'homme de Dieu avait chanté, le lenge l'homme de Dieu avait donné un bon spectacle. Et aujourd'hui, Pasteur Moïse Mbie nous annonce encore, après 7 ans depuis les concerts du Char Club, Pasteur Moïse Mbie organise encore un autre show, un grand show. Cette fois-ci, devant plus de 80 000 personnes au Stade des Martyrs de Kinshasa. Et c'est là qu'il y a mai, il y a 2017, nous organisons un concert, le meilleur concert des pasteurs Moïse Mbie dans chaque club. Et aujourd'hui, ils ont annoncé un concert en mai, mais cette fois, il y a là le 19. C'est créé dans le cadre de mois de mai. Au pasteur Moïse Mbie a tiaka ba concert ya minene boika kana mwa ya mai to ko ebango soki nzamba pesi biso occasion to tuna imituna, nous allons lui demander.
L'artiste du gospel congolais, pasteur Moïse Zombie, va se produire les dimanches 19 mai 2024 au stade de Martyrs de Kinshasa. Il va livrer le grand concert juste devant, juste avant. Concert, il y a pasteur Mike Kalambay. Parce que pasteur Mike Kalambay peut concert Naïe Isaïe le 27 juillet 2024. Pasteur Moïse Mbillé va faire un grand concert avant mai, na moya mai le 19. Pasteur Moïse Mbillé a kokoma 11e artiste. Parmi tous les artistes au Babetista des Martyrs, pasteur Moïse Mbillé a kozala 11e artiste à Kobetasta des Martyrs. Après, Kinkester et Menea, Jibem Piana, Weranson, Kofi Olomide, Papa Wemba, Bebe Chanda, Fali Poupa, Héritier Wata, Ferregola et Félix Wazekwa. 10 déjà. Et puis le 11e artiste à Kobeta Stade des Martyrs et Kozala, Pasteur Moïse Mbillé. Soki Pasteur Moïse Mbillé a beti concert au annoncé Bissot le 24. Soki pasteur Moïse Mbillé a beti concert Oyo a annoncé Bissot pour le 19 mai 2024, pasteur Moïse Mbillé a kozala 11e artiste de la République démocratique du Congo, ya ko beta na stade des martyrs, ko banda na moto libosa beta ka Kester, tina moto suka oti ko beta awa, Félix Wazekwa, Moïse Mbillé a kozala 11e artiste. Est-ce que vous avez la chose faite? Nous croyons que et Kozala, chose faite. Avant tout, pasteur Moïse Mbillé a débuté sa carrière musicale, en 2007. Les natifs de Matete, pasteur Moïse Mbillé compte à son actif 6 albums. Album Aliboso, Influence, deuxième album, Le Cœur de l'Agneau, troisième album, Les Champions, quatrième album, Héros, cinquième album, Triomphe, sixième album, Royal. Avec cet arsenal des albums, est-ce que pasteur Moïse Mbillé a quoi arrivé? Qu'on s'appelle ça Bissot, dans le stade des martyrs. Dengue annoncé en gros pour le 19 mai 2024. Le problème avec les musiciens congolais maintenant, c'est la canine. Votre ami a tié date, a tié mokolo, a beta cancer. Il y a mon néné pour na kosala lokumu ya Nzambe, pour na ko glorifier Nzambe. Mais au lieu que ba ami na e ba artiste ba accompagné, ce sont les mêmes artistes au ba ko banda ko combattre pasteur Moïse Mbillé. Quand le pasteur Moïse Mbillé a annoncé concert à Stade des Martyrs pour le 19 mai 2024, quand il y a un artiste, oh, il fallait qu'il ne soutenir pas, il ne soutenir pas, il ne critiquer. Au monde niveau, il y a qui monte mama be ya ba musicien congolais des Alaka. Oko ka ba musu ba ko banda ko loba non, ah, il y a beta stade nani. Il y a ko ko tondi selo ko wana. Mais non, soutenez votre frère. Bon, tiens, coup de pouce. N'ayez-moi pas Mike Kalambay annoncé concert na à Stade des Martyrs na le 27 juillet 2024. Tout tiens, ma boko, nous, artiste, bon soutenir, bon accompagner. Parce que ça va faire la fierté. Il y a musique gospel, il y a mbo kanabiso. L'autre, comment on a hérité à Robert Stade des Martyrs. Bah, Félix, je sais qu'on va mettre à Stade des Martyrs. Bah, musique. Naba musicien chrétien à Congo, Moïse Mbillé naba musicien chrétien à Congo à cause à la moto ya liboso, artiste ya liboso ya ko beta stade des martyrs. À cause à l'artiste ya liboso. Pourquoi pas qu'on soutenir yé? Pourquoi pas qu'on accompagner yé? Tous à la front moko, tout à la direction moko. Pasteur Moïse Mbillé a salaki awa na Londres, qui n'a pas eu de concert à Londres, a annoncé que Sokin Zambé a sungi, ti fin de l'année Oyo, tu as eu de concert dans le stade des martyrs.
Mais Nzambe asali mabongisa ndenge na ye et salemi awate na ane ote mais ali projeté vers l'année prochaine. Natiki bino bo anano extrait. Ya annonce le lenge moko pasteur Moïse Mbia annonce ça qui déjà. Na concerne na beta ki na Londres na mikolo eleki awa et leki déjà ba entre 5 mois 6 mois passé alors ko beta concerne na Londres annonce ça qui to ko beta stade des martyrs. Tout en nom de pasteur Moïse Mbia. Et puis nous en retrouvons tout juste après. La cassoni, Nzambalole, Asalaka Nangonga, Natango Naye. C'est vrai que Nazan a ma proposition est belle. Et belle, il y a pour un stade de martyr. C'est vrai que tout le temps, les gens m'écrivent ça, je vois ça. Et il faut bien qu'il y ait un chrétien aussi qui va au stade de martyr, pas seulement dans l'objectif de remplir, mais dans l'objectif vraiment d'élever Dieu. Mais ce qui est sûr, je sais qu'avant la fin de l'année... Voilà, ça c'est le parole de l'homme de Dieu, pasteur Moïse Mbia. Il avait annoncé que si tout va bien, Akobeta concert dans le stade de martyr. Je rappelle, concert Oyo, ils ont la signature, il y a maison de production Moya Monene, où ils ont awa en place, na Kishasa awa. 360, bon, basali moko, il y a grand maison, bon, on est signé pasteur Moïse Mbia pour na ko beta concert au stade des martyrs. Pasteur Moïse Mbia, maison de production, oyo ba foutiye combien pour a beta concert ya stade des martyrs. Nyonso wana, tozo ye bango na émission oyo. Pasteur Moïse Mbia, andi mimbongo boni ya maison de production, oyo ba sinisye ye pour a beta concert ya stade des martyrs. Nous allons connaître tout ça. Restez là confortablement assis dans vos postes téléviseurs. Beaucoup l'an dernier sort en exclusivité. Tokopé Sabino monta combien au bapé si pasteur Moïse Mbia na maison de production Oyo pour na abeta concert ya stade des martyrs. Restez là, moutoua bougez parce que tozok beta biloko awa pour na ko informer tout le monde. Voilà. C'était le 12. C'était le 12 mai 2017, pasteur Moïse Mbia a betaki concert pigmenté. Oui, ça les makina chaque club. Banzemba kitoko. Lo yembo ya sai. Spectacle ya kafu kafu. Je vous invite de venir nombreux. Na concert au pasteur Moïse Mbia ko beta na me awa parce que ngana ko zanga te. Soki ko zanga ngana ko zanga te. Hein, ngana ko zanga te. Et bien voilà. Je voulais suivre ce qu'a été les concerts. On a rafraîchi mino mémoire boy ba concert ya chaque club et les kakilo lengenini et puis nous en avons retrouvé juste après. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Tu vas faire une chose avec moi, tu vas crier de toutes tes forces, sois prêt, tu vas dire à haute voix, gloire à Dieu! De ce qu'a été les concerts de pasteur Moïse Mbia dans chaque club, je vous invite, c'est 20,
je vous invite, c'est 19 mai 2024, na Stade des Martyrs, Monte Copela. Pasteur Moïse Mbia Kobini Sabiso, na rythme, il y a 6 albums na oyo sa na oyo, je pense que to ko banango depuis ata 7h, to ki na concert on a tina 22h parce que moto ko linga bima wana ko za la tête. Rendez-vous le 19 mai 2024 au stade Tata, au stade des martyrs de Kinshasa. Je dis un très grand merci na bande ko nyoso bosi libaku ya kolanda biso. Je dis un très grand merci na bande ko nyoso oyo ba landi biso depuis partout. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement. Surtout, le rendez-vous est pris au stade des martyrs avec la réserve de l'Éternel, pasteur Moïse Mbié. C'est 19 mai 2024. Ciao, ciao.